Donc on est sur Kansas, Carry On Wayward Son, enfin machin, truc bazar, hein. Et on est sur le final. J'ai ralenti. Le temps. Fa dièse sur une gamme pentap. Et on descend la gamme depuis l'octave jusque sur quatre croches. Alors, les deux premières, c'est des noirs et après c'est des croches. Donc bas, bas, haut, bas, haut, bas. Après, c'est un accord de La, puis un accord de Mi, et qu'on joue en quinte, donc sur deux ou trois cordes, sur les trois grosses cordes. Deux ghost notes, et puis deux croches à contretemps. Attention, le mouvement dans la main droite, c'est important. Haut, bas, haut, haut. C'est un mouvement difficile à lancer puisqu'on le prend vers le haut. Et on enchaîne ça avec le B.